lire une allocution écrite par le frère de M. Taponnier, Thierry Taponnier, qu'il a lu à l'ONU le 4 mai 2011. Donc je vous demanderai un grand silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom des familles de vous remercier. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici pour vous parler d'Hervé et de Stéphane. Je suis accompagné ici d'une délégation composée de membres du comité de soutien, d'amis proches, de journalistes de France Télévisions et d'un membre de l'association Reporters sans frontières. Tous s'associent à moi en cet instant. Depuis le 29 décembre 2009, soit 491 jours aujourd'hui, mon frère Stéphane, son coéquipier Hervé Guéquière, ainsi que leurs trois accompagnateurs afghans, Mohamed Reza, Ghulam Haidar et Sattar, sont otages en Afghanistan. Début décembre 2009, les deux journalistes français professionnels aguerris, depuis plus de 20 ans, étaient partis pour réaliser un reportage en Afghanistan, dans la vallée de Kapiza, au nord-est de Kaboul. Lorsqu'ils ont été enlevés, ils terminaient une enquête de plus de 3 semaines avec l'armée française et auprès de la population afghane pour le compte du magazine Pièce à conviction de la chaîne publique France 3 du groupe France Télévisions. Hervé et Stéphane étaient partis recueillir le sentiment des populations civiles afghanes qui souffrent de cette guerre. Ils voulaient nous ramener un reportage complet, objectif et nuancé, malgré les risques. Quand ils ont été pris, ils ne faisaient que leur métier, nous informaient, avec pour seule protection leur carte de presse. Et c'est l'honneur du journalisme de continuer à couvrir les zones de conflit en toute indépendance, malgré les dangers et les critiques. Comment vont-ils vraiment? Où sont-ils précisément? Nous ne savons pas. La dernière preuve de vie date de 6 mois. Leur détention est longue, bientôt 500 jours. C'est la plus longue détention de journalistes français depuis celle des otages du Liban il y a 25 ans. Nous n'avons pas le choix. Nous continuons à vivre malgré une peine extrême et une interminable attente. Nous savons, Stéphane et Hervé, solides et volontaires. Mais le temps qui passe alourdit chaque jour le fardeau. Vous le savez bien. Le temps et la tragédie des otages. Jeannine Guéquière, la maman d'Hervé qui aura 85 ans cette année, résume ainsi ses journées. Dès mon réveil, je vois son regard devant moi. Le soir, je pleure, car il n'est toujours pas là. Nous nous interrogeons aussi avec gravité sur le sort réservé aux accompagnateurs afghans et à leurs familles. Nous ne savons rien des négociations. Le gouvernement afghan et la France travaillent. Mais le constat ne varie pas. Stéphane, Hervé et leurs trois accompagnateurs sont toujours prisonniers. Nous nous interrogeons, mais nous agissons. Nous, les familles, les amis et les proches, car nous pensons que la médiatisation est utile. Elle sert à lutter contre l'oubli. Elle sert à protéger la vie des otages. Cette médiatisation leur parvient sans doute et entretient leur espoir. Même si nous voulons croire que les ressources en hommes et en matériel sont déployées sur place en Afghanistan, nous continuons à appeler la population française à rester mobilisée jusqu'à leur retour. Et nous demandons avec insistance que tout soit entrepris pour les libérer au plus vite, et ce, par la voie de la négociation. Le comité de soutien, Reporters sans frontières, l'association Otages du Monde, le groupe France Télévisions et des citoyens anonymes restent mobilisés pour qu'on ne les oublie pas. Le Parlement européen a exprimé lui aussi son soutien en recevant notre comité à Strasbourg. En nous accueillant ici, vous participez à cette mobilisation et on vous en remercie encore. Des messages de soutien et de sympathie nous arrivent d'un peu partout dans le monde. Que toutes ces pensées convergent vers eux et les réconfortent. En France, nous nous sommes organisés pour envoyer régulièrement des messages d'espoir par ondes radio pour que la peur de l'oubli ne les anéantisse pas. Qu'ils sachent qu'on les aime et les soutient et que leur passion de journaliste ne s'éteigne pas. Hervé et Stéphane, tout au long de leur carrière, sont allés partout dans le monde. Ex-Yougoslavie, Rwanda, Irlande du Nord, Cambodge, Indonésie, Amérique centrale, Liban, Syrie, Palestine, Congo, Côte d'Ivoire.
au cœur des conflits, le long des routes d'exode. Ils ont parlé à des hommes de toutes les couleurs, de toutes les convictions, de toutes les conditions sociales. Chaque fois, leur souci premier a été de restituer une vérité des situations et de la complexité des hommes. Dans un pays en guerre comme l'Afghanistan, les journalistes sont les yeux de la démocratie. Leur fermer les portes des pays en guerre reviendrait à ouvrir encore plus grand celle de la barbarie. À l'heure où certains veulent stigmatiser, diviser et exacerber les haines entre les communautés, les journalistes citoyens du monde sont les liens indispensables entre les hommes. Leur mission est essentielle. Nous leur devons considération et solidarité. Tant qu'ils seront otages, c'est notre liberté d'information qui sera entravée. Leur liberté, c'est notre liberté. Un petit mot de Monsieur le député maire Bernard Gérard. Aussi nombreux, je remercie ceux qui ont pris cette initiative. Et nous sommes un certain nombre d'élus. Monsieur le maire de Saint-André est à mes côtés parce qu'il a été élève de ce lycée Kernanek. Et je pense que tout simplement, notre présence ici à vos côtés, elle est très importante. Elle est très importante parce que vous êtes un message d'espoir. Et ce message d'espoir, la famille en a besoin, mais également ceux qui sont privés de liberté loin de chez nous en ont particulièrement besoin. Il y a trop d'hommes et de femmes dans ce monde qui payent le prix de notre liberté. Il y a trop d'hommes et de femmes qui, dans ce monde, payent le prix des valeurs que nous défendons et que nous considérons comme essentielles, qui sont la liberté, tout simplement, l'égalité, la fraternité, valeurs partagées par tous les pays du monde, toutes les cultures du monde. Et dans un monde où on vit trop facilement avec le poing fermé plutôt que la main tendue, eh bien je pense que la leçon que vous donnez aujourd'hui en étant si présent, si soudé, si solidaire, est un message d'espoir pour Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier, qui par le métier qui était le leur, donne un retentissement particulier à tous ceux qui dans le monde sont prisonniers. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous n'oublions personne. Nous pensons à tous ceux qui sont otages. Ce mot affreux, ce mot barbare, qui est en fait le sort partagé par trop de personnes dans le monde aujourd'hui. Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière, enfant de Marc Ambarol, ont un métier qui est effectivement le métier qui permet que la démocratie existe, que la transparence existe, que l'information circule, et il n'y a pas d'information qui circule dans les pays où il n'y a pas de démocratie. Donc voilà, tout simplement, je voulais vous remercier. Je voulais vous dire que la ville, sans en rajouter, essaye d'être très présent aux côtés de la maman d'Hervé, qui est effectivement une dame âgée, particulièrement courageuse. Comme je la vois avec sa force, avec son tempérament, avec tout ce qu'elle est, avec son histoire, je me dis que Hervé, bien sûr, lui ressemble et qu'il doit être fort aussi. Mais je pense que, très franchement, nous, ce soleil qu'on regarde, pour nous, il brûle, il brille, mais que pour lui, sans doute, il doit particulièrement brûler, comme l'impatience qui doit être la sienne de retrouver tout ce qu'il aime. Merci à vous et bravo pour cette très très belle initiative à laquelle nous, les élus, modestement, on s'associe.